Salut les amis, c'est Evigan pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12 sur notre série sur Dead Descent Riptide. Et toujours en compagnie de Oxer. Salut. Comment vas-tu? Hello les gens, salut. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode 11, on devait faire des signaux de fumée pour attirer un hélico. C'est ça, hein? Ouais. Pour qu'il vienne nous chercher. L'hélico est parti en fumée. Voilà. On devait aussi faire diversion pour que l'hélico puisse venir jusqu'au toit de. C'est quoi? Toit du cinéma? Ouais, du cinéma, ouais. Venir nous chercher, mais les mecs ont voulu nous mettre une carotte. Marron, une belle carotte quand même, hein. Ouais, ouais, une quenelle là, 300. Et puis ils ont ramassé un coup de. Ça s'appelle comment? Un bazooka? Un lance-roquette. Un lance-roquette dans les fesses. Et nous. Et nous voilà, alors on va chercher la prochaine quête. Et t'es tout prêt? T'as fait ton inventaire, tout? Ouais, non, mais c'est bon, ouais. Est-ce que là, on a profité quand même de le faire hors vidéo, comme ça. Oui, non, parce que c'est pas très... Alors, apporter des photos de souvenirs, ça doit pas être ça. Et puis, trouver la famille de Marvin, ça doit pas être ça. Et puis, trouver l'hélicoptère, bah, je pense que c'est ça, la quête principale. Donc, je crois qu'on va aller trouver l'hélico. Ou tu vas aller chercher la... Non, vas-y, fais l'émission principale. Alors. Serpo gonna wish he died in a crash. Yeah, it's worth a try. I can always try and patch up the chopper. Hell, maybe Serpo knows another way off the island. Maybe we should follow that chopper. Ok, non, moi je veux bien, mais le mec il est quand même motivé parce que, vu dans l'état où l'hélicoptère il a fini, il veut le réparer, mais il est motivé. Ouais, je sais pas, c'est des mécanos, tu vois pas, les mecs c'est des MacGyver en puissance. Ah ouais, il te répare un moteur avec une fourchette et une cuillère, quoi, attends. C'est quoi, alors il veut qu'on aille voir l'hélico qui s'est écrasé. Suivez la fumée, donc on doit suivre, on doit aller trouver l'hélicoptère, la zone du crash, donc on doit suivre la fumée. On suit la fumée. Donc nous suivons la fumée. Tu la vois toi d'ici? Non. Mais j'ai le drapeau donc. Toi, bon, ouais, bon, vas-y, je te suis. Pousse-toi de là toi. Fais gaffe, elle est armée hein. Moi aussi. Elle tombe colline, gars, tu vas voir. Alors hop, je vais essayer de descendre. Et j'en profite pour vous dire que pour cela. T'es descendu là? J'arrive plus à descendre. Ouais, je suis en train de descendre en bas là. Et je voulais en profiter pour dire à ceux-là qui s'étonnaient pourquoi il n'y a pas de vidéo de Battlefield sur notre chaîne alors qu'il est déjà sorti depuis quelques jours, non? Ouais, il est sorti depuis quelques jours. Bah, pour vous dire que tout bêtement, on a décidé, moi et Oxa, de le prendre sur Next Gen. Donc nous, on attend la sortie sur Next Gen. C'est pour ça que. Quoi. Où t'es? Moi, j'étais déjà perdu. Mais... Bah là, je suis là, mais j'ai lancé une roquette, je me suis envolé. T'as fini. Mais c'est le délire ça. Donc voilà, ne vous étonnez pas qu'il n'y a pas encore de vidéo. En plus c'est pas l'envie qui nous manque d'y jouer, mais ouais, mais oui, c'est bon, c'est vrai qu'on a failli craquer 2-3 fois devant l'étalage du jeu quoi, mais... on essaie de garder la surprise enfin. C'est clair que ouais, on préfère s'habituer directement à jouer. Bah, vous savez que maintenant dans les Next Gen on aura une autre capacité, donc il y aura beaucoup plus de joueurs, je crois que c'est 32 contre 32. Et puis on voulait pas en fait se cacher, se gâcher le plaisir en achetant sur PS3 et en retournant 12 contre 12 dans la même routine qui était Battlefield 3. Donc ouais, on essaye de se garder la découverte. Non, on n'est pas en train de dire que sur les consoles actuelles c'est mauvais, c'est juste que bon, on a préféré la prendre sur. Sur une nouvelle console, quoi. Mais ouais, en plus, j'ai entendu dire que sur les consoles actuelles, il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Non, non, mais comparé à ce qu'on a pu voir dans la bêta, c'est clair que ça a vraiment rien à voir. Hein, là, il est quand même, on voit que graphiquement, il est propre et tout, mais bon. Bon, même les maps, j'ai entendu dire, après moi, c'est juste des informations que j'ai eu vent parce que je ne l'ai pas testé sur console actuelle à part la bêta. Mais à ce qui paraît, les maps ne sont assez bien faites sur console, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas comme avant 30 ans, un et demi, enfin. Ça peut venir parce que le jeu est tout neuf, donc les gens se baladent, mais après, on ne sait pas ce que ça va. Bon, de toute façon, ça, on en parlera le moment venu. Mais sur console PS3, tiens, on peut pas le dire parce qu'on l'a pas testé. Ah bah non, et puis je compte pas y tester, donc...
Et aussi, il faudrait qu'on finisse justement Qu'on finisse. ce Dead Island avant la sortie de la PS4, quoi. Ah, parce que nous on est lent un peu quand même. Ouais, mais c'est vrai que ce Dead Island, on aurait déjà dû le finir depuis bien longtemps. Ouais, c'est clair, mais bon. Oh! Mec, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, tu vois pas qu'on est dans l'eau, mec, tu veux nous électrocuter ou quoi? Heureusement que le jeu ne prend pas en compte que tu sois dans l'eau. Et j'ai trouvé une une bouteille à la mer. Vas-y, prends-la. Hein. Ah, c'est sûrement une quête en fait. Mais par contre, là, je crois qu'on se dirige pas dans la bonne direction. Hein. Attends, attends, je vais regarder la carte. Non, non, on se dirige pas du tout pas dans la Non, bonne non, direction. alors, directement à l'opposé, c'est hein, carrément. Ouais, voilà, tu vois, c'est. Et puis après, on veut finir le jeu, mais Est-ce c'est qu'on clair peut que. mettre un marqueur? Non, je crois pas. Oui, car j'ai mis un marqueur. Ouais, mais bon, ça change rien, il y a déjà le drapeau rouge. Bon, fais gaffe là. Attends, quête, c'est quoi comme quête que t'as? C'est le crash. Pourquoi moi Ouais, j'ai pas. crash. Pourquoi moi je l'ai pas les petits pointillés, gars? Tu l'as toi les petits pointillés? Non. Bah non, parce que j'ai pas mis le marqueur. Maintenant, ils te mettent plus les petits trétillés, ils te mettent juste le drapeau et puis tu te démerdes. C'est salaud ça. Ah, ça amène un autre style de jeu que c'est. Attends, Ah merde! Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, Tu vas pas me dire. t'es toujours à la traîne, toi. Ah, je suis dans la merde. Mais non, mais je veux pas ça. Allez, au point. Vas-y, comme un guerrier. Qu'est-ce qu'il y a, moi? Tyson, mec. Je suis Tyson, là. Accroche, mon gars. Je te défonce. Fais gaffe, ils sont là, il y a encore un. Attends, mais moi, j'aimerais bien changer d'arme, là. On donne des trucs pourris, gars. J'ai ça qui est pas modifié, mais on va voir la gueule que ça. Non, mais en fait, je vais pas prendre ça. Moi, dis donc, c'est dangereux ici. Je vais prendre. Bon, il apparaît mon arme là. Qu'est-ce qui se passe là? Bug d'affichage, mon ami. Non, mais j'avais pas bien sélectionné. Mmh. Mais attention, c'est pas. Je mets la faute tout de suite sur le jeu là. Attention. Alors, ça doit être par là, ouais. Non mais cette ville en fait c'est un vrai labyrinthe hein. Ah, c'est vrai que c'est un peu le bordel hein, quand même. Je te suis mais je sais pas si c'est par là. Hein. Bah là-bas, c'est une ville piétonne, quoi, t'as pu remarquer. Hein. Je pense pas qu'ils circulent en voiture ici dedans. Qu'est-ce qui se passe là? Y a un mec qui a besoin d'aide là non? Bon viens on le sauve vite là. Comme ça c'est fait. Ah merde, j'ai oublié de regarder à quelle heure on avait commencé. Parce que, je sais pas, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ont suivi l'aventure depuis le début, on avait dit à un certain moment qu'on voulait faire des vidéos assez courtes. Parce que Ouais, mais non, on n'arrive jamais à parce tenir que, ça. ouais, certaines personnes nous avaient dit, parce que les vidéos longues, c'est vrai que c'est un peu chiant, hein, 50 minutes de vidéo, c'est vrai que c'est long. On avait dit qu'on voulait faire des vidéos de 30 minutes, mais on n'est jamais arrivé à le faire. Enfin, si, on a fait deux vidéos de 30 minutes. Après le reste. Est-ce qu'il nous donne quelque chose? Donc on va Je essayer. sais pas, mais je crois pas que c'est par là non plus, hein, gars. Attends, bah attends, je viens de sauver le gars, il va me donner quelque chose, non? Non, il va me donner une quête, tu paries? Bah oui, ça, de toute façon. Thank you. Oh. Here, take this. No, 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 go on. You can have it. Qu'est-ce qu'il me donne? Niveau supérieur, Ah, il me donne, je crois, de. Ah non, bah il m'a donné du fric, je crois. Mais qu'est-ce que je prends ça? Dégage! Alors attends. Tu t'es barré, toi. bah écoute, il y a un mode ici. Attends. Ah merde, il y a l'autre qui crie là! Oh, mais dépêche-toi, viens là. Monte Je sais pas où t'es, gars. en haut dans les échafaudages. Ok. Ah, il s'est pété une jambe, quoi. Ah, mais c'est quoi ces gaillards, quoi? C'est Mais toi qui as j'ai. allumé l'électricité? Non. Moi j'ai rien fait, moi. Attends, je t'ai perdu, gars. T'es monté par où? Ah, c'est bon, je suis là, je suis là. Oh! Tu vas me tuer.
Non, il va pas me tuer, c'est pas possible. Non, mais monsieur, Hooligan qui se casse tout seul. Je lui parle d'échafaudage, lui. Mais non, mais quand tu m'as dit échafaudage, j'étais déjà. C'est toi, tu fais les Yamakasi là. Je suis allé chercher, il y avait un mode. Eh, mais moi aussi, je le veux. Ah ouais, les gars, il fallait venir, gars. T'es toujours à la traîne. C'est pas grave, vas-y. Bon, il c'est par là-bas. Hein. Il faut passer là. Vas-y, je tourne autour de l'arbre, mec, n'importe quoi. Hop. 200. Toi, tu restes à terre. J'ai plus d'énergie. Vas-y, en fait, lui, il me saoule. Fais gaffe derrière toi, fais gaffe derrière toi, il y en a un qui te suit. Non, t'as plus de bras, hein, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce qu'il fait, man? Je trouve un bulldozer. Bon, un bulldozer, c'est un peu fatigué des années 70. Quand d'avant-guerre, mec. D'avant-guerre, tu vois, le bulldozer, c'est pas un bulldozer comme maintenant. Faut pas croire. Hein. Alors. Hop. Ah, bah, je vois. Bon, c'est vrai qu'il est un peu fatigué quand même, hein. Ah bah ouais, ce que je t'ai dit, quoi. Puis il a des munitions, les gens. Il donnait rien. Hein. Alors, hop. Ah, ça c'est bon, je t'ai retrouvé. Pourquoi tu m'as de nouveau perdu? Ben... On va dire en partie. Putain, il y a du monde, là. Ouais, mais je crois que c'est là qu'il disait que c'était la zone de quarantaine, en fait. Là? Ouais. Il y a l'air d'avoir de pas mal de monde, là, hein. Bah, c'est le principe d'une zone de quarantaine, c'est là où il y a le plus de personnes concentrées, quoi, tu vois. Ah, il y a des munes. Je sais pas si tu peux prendre. Hop. Est-ce que je peux améliorer, Charles-Henri. Oh là là! Mon super katana ou je sais pas ce que c'est, hein. Mon épée de ninja, gars. Ouais, il va bien, hein, ce truc. Fais gaffe, Fialo, tu lui voles ses valises, il aime pas, gars. Ok. Ah, mais il était où, celui-là? Je sais pas. Hein. J'ai fait tout le tour, gars. Il y a son pote, là. Là, t'as esquivé la patate, mon gars. Tu es flexible. Ça peut être utile, ça, pour... Pour flexir. Flexir des tuyaux. Alors. T'avais pris les mines là-bas? Ouais, j'en ai pris une boîte. Mais putain. Parce que là, il y en a encore. Du détergent. Bordel. Est-ce qu'il va se faire électrocuter? Tu veux les mines, là? Où? Ici. Non, vas-y, prends-les. C'est de quoi? Bah, il y a tout, fusil à pompe, fusil d'assaut et puis pistolet. Voilà, les autres, je peux pas prendre, je suis full. Ouais, mais c'est pas drôle, le mec, il veut pas avancer, quoi. Viens. Attends, je vais recharger. Vas-y, t'es pas marrant, quoi. Est-ce qu'on est encore loin? Attends, il faut passer là. Non, mais je crois que c'est là qu'il faut sauter. Hein. Ouais? Bah oui. Là, il y a Charles-Henri qui veut faire du business. Qu'est-ce que t'as à nous vendre, toi? Piochon. Non, mais c'est quoi, gars? Je suis pas. Tigeon d'acier. Fusil sniper. Ah, photo de souvenir. Il n'y avait pas une quête comme ça là, sur photo de souvenir. Ouais, il faut prendre les photos souvenirs. Ah, bah il est là, le fusil sniper, il le vend lui aussi. Ouais, mais bon, le fusil sniper, c'est beau, enfin, je te dis. Hein. Ouais, bon, j'arrive jamais, gars. De toute façon, déjà l'autre fois c'était 30 000. Maintenant c'est encore plus cher. Maintenant c'est toujours 30 000, mais j'ai toujours pas assez, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il vend, allez, qu'est-ce qu'il me vend? Ouais, non, ça c'est beau, ça c'est de la merde. Composant électrique. Ça c'est de la merde aussi.
Passager déjà. Oh, une clouteuse à 1700 euros. Bon, merci j'ai pas de pour tout. La bonne main. Gentil. Par contre, ce qui m'intéresserait, gars. Quoi? Kit de secours moyen. Bon, viens, on s'arrache là. Voilà. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais gars, ils nous envoient où, gars? Alors, attends. On va voir la carte. Ouais, on est pas très loin, là. On n'est pas très loin. En plus, on n'est jamais venu encore ici. Ouais, bon, en même temps, c'était un tel labyrinthe qu'il faut vraiment avoir vraiment une mission dans le coin pour arriver jusque-là, quoi. Parce que... Je te jure. Eh, mais putain, c'est que... qu'est-ce qu'il fait? Il est pas content, il est pas content. Mais il doit apparaître là comme ça, c'est pas possible, gars. Je crois que ses vacances se sont mal passées, mec. Ah. Les gars, je crois qu'il... C'est pas un hurleur, lui, ou je sais pas quoi, là. Ouais. Putain, il y a un beau paquet de vie là, qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'il faut que tu viennes, gars, parce que voilà. Ouais, on va prendre la grosse artillerie, mec. Oh, comme elle a giclé, mec. Attends, pour lui, j'ai autre chose. Enlève-toi. Pour lui, j'ai autre chose. Ah, merde, gars. Je me suis trompé de touche. Comment que ça va, Charles? Salut, Henri. Oh mon vieux. J'étais touché mais ça m'a pas fait de dégâts. Ah mais c'est juste avec le souffle. Attends, il y a encore... Ouais mais gaspille pas tes mines. Après s'il y a un boss... Non mais justement, j'avais pas gaspillé, là j'étais en train de changer d'arme. Oh là là, il y a un bon paquet de fric là. Ouais, c'est pas mal hein. Et puis t'es pas obligé de me le taper non plus. J'ai rien fait mec, j'ai pris ses carrés. Hein. Une petite pomme. Oh putain, gars comme il danse. Ils savent danser? Ah ouais. Pas mal ça. Oh moi elle... Ah il faut lâcher le pauvre. Ouais il faut aider ce pauvre homme. On peut pas le laisser comme ça. Là. Bon là je crois qu'on tourne en rond hein, là du coup. Hein. C'est un peu le cas ouais. T'as des munes là du coup. T'en veux? Mais attends mais c'est un... C'est pas possible, c'est un labyrinthe ce machin. Ah là, là, moi je crois qu'il faut passer par là en fait. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, mec? Qui? Xavier. Monsieur Javier. Comment que ça va, mec? Ça. Ils sont tous morts, c'est sûr. En fait, on l'a sauvé sans le vouloir, qu'en fait. Mais de rien, mon ami. Ouais, c'est sympathique quand même. Hein. T'as pris les munes? Ouais, j'ai pris. Mais par contre, je crois que c'est pas trop par là. Hein. C'est pas trop par là? Ici, non. Monter par là? Ouais. Merde. Par contre, il y a pour monter quelque part, ouais. Je sais pas. Ouais. On peut pas, là. Ouais, je crois que tu peux pas aller. Bon, il faut revenir sur nos pas, quoi. Attends, j'ai contrôlé la carte, attends. Il y a un truc qu'on a loupé. Si, quoi. Si, là... L'échelle. Non, attends. Non. Maman, il m'a dit que tout droit là. Non, il y a une passerelle ici là. Là, et normalement c'est tout droit par là. Gars. Tu vois là, c'est le... ici, là, voilà. Là. En fait, nous, au lieu de continuer à descendre, on est remonté. Ah, le château fort des chevaliers. Et puis tu vas me dire que l'hélicoptère il a volé chocolat quoi. Bah ouais. Écoute, c'était écrit dans le scénario, hein. C'était comme ouais, ça. Il est balèze, attends, je récupère parce que là. J'ai pas de vie. Je crois qu'il y a des. Ouais, il y a des zombies là, mec. Comme par hasard. Et ta critique. Mais qu'est-ce que tu fais?
Ça va, tu t'en sors, mec? Ah putain, j'ai plus de mun. Tant que j'ai des mun, ça va. Attends, monsieur Katana. Monsieur, alors on se calme tout de suite. Tu connais. Tu connais Bruce Lee, mec? Bien sûr, mec, c'est moi qui t'ai appris. Mec. Un niveau 48. Et ça, je prends direct. C'est quoi? C'est un espèce de couteau, là, je sais pas quoi, là, qui faisait 1800, je crois, 1000 et quelques, plus de 1000 dégâts, mec. Ah, y'a un truc niveau 3. Niveau 3? Fichier secret. Ouais, un coffre, là. Ah, ouais, serrure, ouais, ok, pour la serrure, tu veux. Si ils te mettent des trucs de niveau 3 maintenant, ouais. Ouais, bah ouais, c'est bon, fais pas ton malin avec ton truc, hein. Ah, je suis là depuis tout à l'heure en train de le taper. C'est le vieux combat, tu sais. Le vieux Yann, il arrive. Et... Bon, ouais, ils vont le réparer comment, leur merde, là? T'es sûr qu'ils vont le réparer, gars? C'est impossible, ça. C'est une épave, mec. Bah, avec un peu de scotch, ça va aller, gars. Bien sûr, un peu de ruban adhésif. Bah attends, il y a un truc à trouver ici, hein, dans la zone. C'est pas pour rien qu'il y a un truc vert déjà. Donc il y a un truc à trouver. Attends, j'ai la même arme là. Je me suis fait cramer le cul. Oh non, elle est pas bonne. Tu l'as vu? Ah, c'est ici, viens. Mais t'es où, gars? Putain, t'as le temps de disparaître. Mais là, gars, là, putain, regarde sur ton radar. T'es un magicien, mec. Mais, nom de Dieu, mais c'est incroyable, les gars. Ton radar. Il regarde jamais les radars. Je suis juste à côté de lui. Non mais là, il est là, il cherche. Non mais c'est le bordel, gars. T'imagines, à l'époque, il pouvait arriver des trucs comme ça. Parce que tout simplement, on n'avait pas encore ce style de jeu où intégrer des radars autant performants qu'il y a maintenant. Aujourd'hui, dans tous les jeux qui sortent, il y a une sorte de ces mini-cartes qui t'aident... Non mais à l'époque le multi était pas trop poussé non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, un mode. Une forno fusil. Ah, forno fusil, ouais, tu prends modifier tes fusils, donc ici, ok, mais c'est où? Alors la porte on arrive et c'est là. Eh, moi je peux dire que ça pue déjà là-dedans. Hein. C'était la fiesta ici, mec, tu veux que j'ouvre? Écoute... Je peux pas ouvrir, il faut faire le tour. Hein. Écoute, on va pas trop, faut déjà peut-être que je trouve des munitions, ou alors... parce que... T'as ouvert, là? Tu peux ouvrir? Non. Bon, il faut descendre, alors. J'aime pas trop ça, mec. Attends, c'est déjà quoi, la lampe de poche? Ah, ouais. En bas. Flèche du bas. En bas. Puis je nous mets une petite musique angoissante. Qu'est-ce qu'il y a? Le crash. Vers l'étage inférieur. Vas-y, défonce-moi cette porte. On peut pas, il faut trouver un chemin. Ah, tu parais que maintenant il faut défoncer la porte du haut. Alors ici, non. Oh merde, ils sont sortis, gars. Allez, baston. Oh putain, j'ai plus d'énergie là. Comment on les a défoncés, mon gars. T'as vu ça? Attends, ça va pas durer, gars. Attends. C'est quoi ce bordel? Salut, ici? Comment ça va, les enfants? Tiens, C'est lugubre, ici. Gars. C'est surtout sombre, quoi. En plus, elle a une arme. Bon, ruban adhésif, j'ai chopé. Tu vois, j'ai déjà chopé du ruban adhésif. Je peux réparer l'hélico. Tiens, il y a des copains là. Putain, il va bien ce katana quand même. Hein. Ah ouais, moi je vais le prendre parce que. Il est meilleur que l'autre. Bon, c'est bizarre, il y a toutes les portes qui sont fermées ici. Je comprends pas. Hein. Merde, j'ai plus de lumière. T'as pas ces trucs là que tu lances? Ouais, attends. J'ai juste buté la. Attends, est-ce que j'en ai? Voilà, c'est bon. Bon, un peu pour rien ici, quoi, mais bon. Alors, voilà, ici. Il y avait quoi ici dedans à prendre? Absolument rien. Attends, oui. Attends, il y en a là. Tiens, toi, là, qu'est-ce qu'il y a? Un clou. Hop.
Super! Elle avait un clou dans les fesses, mon gars. Bon, il faut quoi? Lance encore un là. Putain, là. Attends. Attends, machette, machin, amélioré. Katana. Machette. Mort. Pistolet électrique. Oui, moi j'ai modifié à fond mon katana, mec. Ça, alors, c'est bon. Créer munitions carabine. J'ai le truc pour créer des munitions carabine, donc je vais en créer, quoi. Bon, le pistolet, non, ça me tente pas trop, en fait. Ah, ça. On va essayer, hop. Sorti le katana. Ah non, j'ai un truc là, je vais voir ce que ça fait ça. Vas-y. Allez. Bon bah ça va bien. Hein. Reste t'as, à terre. T'as des armes de fou moi. Attends, j'ai même pas installé des mods encore. Là. Attends. Ah oui, il faut installer les mods. Lance un truc là-dedans là parce qu'il fait sombre quand même. Attends. Putain, je me trompe chaque fois. Est-ce que je peux utiliser un mod? Ouais, mais non, mais c'est des mods de. Feu liquide, tu crois que c'est intéressant ça? Feu liquide, on l'avait déjà, je crois, dans le. Ouais, ça fait des dégâts de zone en fait. Ouais, tu sais, c'est feu liquide, c'est pas cette épée là qui avait le truc au milieu là. Putain, c'est quoi ce bordel? Putain, c'est de l'autre côté en fait qu'il est le gars. Ah non, c'est là. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Ah, mais il me faut de la thune et puis il me faut des. J'ai pas assez d'éléments en fait. Faut que je récupère plus de trucs. Attends. Là, on peut ouvrir cette porte là. This way. Attends, là, il y a un coffre. Ah non, mais 400, ça me plaît pas, 400. C'est nul, même 400, non? Alors, c'est quoi ça? Maintenir. Je vais voir avec le mien, voir si. Allez, ça donc ça en prison. Oh. Ouais, t'as oublié de fermer. C'est parce que j'avais pas la clé. En prison. Oh. Ouais, on va se calmer là les gens tout de suite parce que. C'est quoi ce. C'est quoi cette tactique... Fais gaffe, c'est quoi cette tactique de traître là? Oh putain, mon gars, comme elle a volé, mon gars. Putain, tu l'as arraché, hein? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je sais pas. Il y a Alfred là. Il est déjà à moitié mort, mais il vient quand même, tu vois. T'es voulu te foutre une patate, gars. T'as vu, il avait déjà la moitié de la vie. Oh putain, il y a. Il y a Gérald. Ah, il y a un bidon d'essence là, viens vite. Tu tires dans le bidon d'essence, gars. Vas-y, attends, dès qu'il s'approche. Attends, pas encore. Pas encore, hein, attends. Ouais, mais toi t'es là-bas au fond, il va venir vers attends, toi. Bah, attends. T'es prêt, hein, attends. On est à côté, hein, bien à côté, gars. Bah, viens ici, gros, mec, qu'est-ce que tu fais? Viens là. That canister will explode. Oh, comme j'ai volé aussi. C'est toi qui a tiré là? Ouais. C'est quoi? J'ai voulu lancer des grenades. Oh, mais c'est bon, c'est bon. Regarde, il est à moitié. Comme c'est pourri. Mais ça va le tuer, regarde. Il a plus rien déjà. Ouais, bon. Vas-y, finis-le, gars. Loin, là. Il y a une porte là. Hop. C'est les toilettes. Putain, dans un château, il y avait des pissoirs. Ah ouais, carrément. T'as besoin de trousse de soin, là? Non, je crois que j'en ai. Prends-les. Attends, je vais vite voir ce qu'il y a là-bas, s'il y avait quelque chose là-bas. Putain, je vois plus rien.
Alors, c'est par là. Le mec il lance son truc vers les bouteilles de gaz et tout. Surtout, il y a un mode ici là. Oh, mais que. Rasoir. Et moi, il faut que je chope des trucs pour des modes. J'ai jamais des trucs de mode. Parce que je suis jamais à la mode. En fait, le truc c'est que voilà, c'est comme je t'ai dit, le truc c'est qu'il faut fouiller quoi. Faut choper tout ce que tu vois quoi. Bon après c'est des trucs qui après si vous si t'as des c'est des trucs qui vont aller dans ton inventaire non mais il y a des trucs il y a un truc qui va dans ton inventaire secondaire là donc c'est vrai qu'en vidéo fouiller c'est pas très passionnant hein, quand même. Bah pour nous ça passerait encore mais je pense pour ceux qui pour ouais, les gens c'est qui un peu chiant c'est... un peu chiant quand même. C'est ça, m'ouvre. Ah putain, ils ont bloqué la porte avec des. Des caisses, mec. Les enfoirés. Ah, y'a un truc à trouver là, la zone verte là. La green zone. On avance prudemment. T'as le style, mec. Hein? Hop. Bug d'HDPVR, attends, hop, y'a une petite coupure sûrement là. Oh, mec. Bon, ici y'a rien déjà. Y'a juste le tuyau. Ici que je vais enlever. Et puis non, la porte. Voilà. La porte. Et puis on arrive où on était avant, c'est ça? Ah non, on arrive à un autre escalier qui nous fait monter. Alors, ouais. Ici on descend, pour après on remonte. Non mais les gars. Et c'est pas là où on était avant? Attends, tu vas me dire qu'ils nous ont fait revenir. Si, c'est là où on était avant, gars. Abuse, mec, on a fait tout le tour. Mais c'est dans la zone verte qu'on doit aller. En fait, on doit aller chercher. Ah non, mais regarde ici, viens ici là, où je suis. Quoi? Ah mais non, mais attends, là, c'est pour sortir, non? Ouais, mais c'est pour sortir, là. Ça, c'est pour... On est rentré, mais faut descendre en bas, il y a la zone verte. Ah, en fait, il faut trouver quelque chose dans la zone verte. Ah, là, il y a une porte. Ah, là. Putain, je me suis perdu, là. Bah, tu redescends. Ah, t'es revenu en arrière, en fait. Bah, ouais. Voilà. Le crash. Qu'est-ce qu'il faut trouver là maintenant? Ah, il y a le... Ah, bah voilà, tiens, il y a le malade, viens. Docteur! Une angine de poitrine pour le patient. Il a l'air de souffrir hein, complètement. Hein, là. Il a 98% décédé là, je sais pas. Le pauvre mec! Alors, qu'est-ce qu'il nous a à nous dire? But what? Fuck no. Bastard doesn't think about anyone but himself. He was halfway here before I even got out of the wreckage. He shot the other pilot, left him behind to distract the infected. I barely made it. Fuck, listen to me. When you find him, you kill him. Understand? Kill him. Mais c'est ce qu'on compte bien faire déjà avec le coup qu'il nous a fait, cet enculé. T'étais une arme, mon gars. Pfiouh, tu rigoles pas, là. Mais là, c'est que j'ai la même que toi. Hein. C'est bon? Ah, maintenant, ouais. Il y a les traitillés. Hein, bon, je pense qu'on devra suivre. Alors. Salut. On doit monter. C'est marrant comme tu montes les escaliers, gars. Et maintenant, bah, on doit ressortir, je pense. Ouais, je pense, là, ici, là. Ouais. Fouille un peu là au cas où. Ouais, y a rien, y a rien. Voilà mon avis là, ça va chauffer légèrement, légèrement. Cette ville paradisiaque. Mais non, regarde le bar comment il est. On dirait que des hooligans sont passés par là. Non, ça c'est la tempestade, mec. C'est la tempête là. La tornade qui est passée, ça c'est. Mais c'est une petite tornade quoi. Tu vois, c'était pas la mini quoi, ouais. C'était pas la petite, la grosse quoi. You're all welcome to help out anytime. Alors. Ah bah ici les chargements ils sont longs hein, quand même. Ouais, attention. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il faut grimper ici. Voilà, voilà, il faut aller là. Il faut suivre le.
Non, c'est pas par là. Est-ce que je suis juste? Non, c'est ici. Ah non, je suis juste, mec. Côté. Et pourquoi nous font faire un détour là aussi? Ah ouais, toi t'as carrément, tu sautes. Ouais, ouais, comme ça, tu vois, s'il y avait quelque chose en haut, je l'aurais trouvé. Là, y'a rien. Allez, la tour, maintenant, il faut aller à la tour. Ah, un mode. Un mode. Volcan. Volcan carabine, ça, je peux équiper ma carabine. Attends, je vais équiper ma carabine de. Ah, une bouteille de flotte, je crois. Ah ouais, d'eau. Je vais équiper, je vais améliorer ma carabine. Non, créer. Non, oh, t'as plein d'objets, crois... mec. Et puis je crois que carabine je peux pas parce que j'ai pas assez de trucs. Moi il me manque un déodorant. Rasoir, nanana. Il me manque un déodorant. Bon, alors. Ah là il y a des mines ici. Attends. En parlant de mines. Bah, je crois que j'ai tout chargé quoi. Vas-y, je t'ai laissé. Ouais, c'est bon. Alors il faut trouver attends, faut trouver quelque chose ici. Je vais déjà charger toutes mes armes. Alors ah, il est là le salopard. Salut Franck, comment ça va? Worried about that fucking idiot. Jesus Christ. Listen, it's better him than you. Am I right? You was gonna use me for a guinea pig, asshole. Remember that? Take a look around. Do you really think this shit is gonna sort itself out? Jesus, it's all on the line, you understand? All of it. Send in another chopper, or you gonna be some dead fucker's supper. Another chopper? You fucking kidding me? You don't have a fucking clue what's really happening here, do you? It's on, asshole! Just take a look at yourself. The rage. The fury, it's building up inside you. Yeah, it's getting harder to control, isn't it? Yeah, and worst of all, it's always there, waiting to come out. Even if you do manage to escape, then what? How you know about that? Harlow, it's the same as you. You didn't know that, did you? Yeah. She went to the quarantine zone. Was planning on using a boat to escape. We caught her. She's trying to steal a bunch of data from the lab. Fucking bitch. Yeah, she really thought she was gonna get away with it, too. Get away with what? She's gonna turn that info over to the WHO, blow the lid off this place. The World Health Organization? Really? Look. She is nothing more than a garden variety fucking terrorist. She was gonna take the virus, and she was gonna take the vaccine, sell it to whoever backed a truckload of money up to her door. There's a vaccine? Where is it? She's got it. And if you want it, you're gonna have to go and get it. She's not gonna give it up willingly, though. I can guarantee you that. Yeah, it's worth a shitload of money to her. You're gonna have to kill her. This ain't over, Serpo. C'est bon? Hey, I'm at the fort. Looks like a perfect place to hold up. Come on over. Donc on fait qu'on le tue ou non, on le tue, on peut pas le tuer. En fait. comme le mec il s'est énervé. C'est un vénère. Ouais mais en fait mon personnage c'est un gros vénère quand même. Là, attention, ça rigole plus. Oui. Ah, carrément ici, une zone maintenant. Ok. Et puis je pense qu'il y aura peut-être une attaque. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'en rester là, si tu veux pas faire des vidéos trop longues. Non, non, on va en s'en rester là. Donc les amis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour regarder la vidéo en vue d'Oxa que je mettrai dans la description. Vous pouvez aussi retrouver toutes les vidéos sur Deadlysland Riptide via un lien que je mets aussi dans la description. N'hésitez pas aussi à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo ou nous laisser un commentaire.
Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao les gens.